Là, il y a un truc. Ok, bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Division et voilà, je suis en compagnie toujours de Islamar et de Harry Dis. On est dans le quartier de Clinton, ils sont à la recherche d'un agent disparu. J'espère qu'il y aura plus de freeze sur le live, voilà, de temps en temps. À mon avis, je laisse toujours OBS trop longtemps ouvert. Et à un moment, c'est pour ça que vous avez vu des freezes, on va pas fuir pour si peu. Ouais, non, mais c'est voilà, j'essaye de faire des choses qui soient d'une qualité voilà, qui soient d'une qualité sympa. Tu reviens au bon moment, bien sûr, Luc, tu reviens toujours au bon moment. Et voici la trace d'un agent, Jérôme Norton. Voilà, je ne le connais pas, mais maintenant je le connais. C'est le sixième agent que je trouve, mais je les ai pas tous farmés. Alors, antenne de la JTF fait rétablir les communications. Ouais, donc ça c'est l'émission habituelle. On y va avant d'aller faire la grande mission dans Clinton. C'est parti. Ouais. Ça a l'air ok. Ouais, je sais habituellement. J'ai ça une fois tous les 10-15 lives. Il faudrait que je pense à mieux éteindre l'ordi portable pour le laisser se recharger parfois. À mon avis, il va falloir monter, mais pas ici. Donc voilà. Mais voilà, merci de m'avertir à chaque fois que vous remarquez un petit souci. Tiens. Ouais, je sais, j'ai vu. On va mettre... voilà. Ouais, de l'autre côté, il y en a derrière aussi, hein. Faites gaffe, il y en a derrière. Je me suis auto-tué. Ah, il y a encore une trace d'agent. Hein. Ah, Islamar. Mais où est-ce que t'es? Par terre. Ah voilà, je te voyais pas. Maintenant je te vois. Les meubles sont pas assez forts, je me tue moi-même. Attends, attention que le fais-je à ta vie. Merde, il y en a un juste derrière là. Ah, il peut pas mourir. Il peut pas mourir. Il manque comme ça. Il y a un petit scan de la dispo là. Je sais pas qui a le scan. Pas moi. Moi j'ai pas de scan, c'est Harry Disk qui vient d'en faire un, je pense. Ah c'est bon. Non parce qu'il y a des mecs derrière nous mais ils sont loin. Ils sont loin. Alors, il y a une trace d'agent ici. Ah. Voilà. Il y a des traces partout. On va regarder exactement. Mon avis c'est dedans, ouais, ça va être là-dedans. Et en plus, il y a des trucs à prendre dans ces trucs-là. On va monter, j'imagine. On aura l'autre trace ici. Voilà. C'est reparti par là. Ici aussi. Pense à recharger. Trace d'agent détectée. Analyse des données. Je pense, voilà, ici, ça, outil. Il va falloir monter, je pense, enfin... Il y en a 10 en tout. 10? Ouais, moi, à mon avis, ça... Si on les loupe toutes, on peut arriver au bout ou pas? Oui. Ok, alors... Ouais, tu peux très bien tomber sur la cinquième, d'accord, okay. Ça va se déclencher quand même. 8 sur 10, à mon avis, ça va être par là, pour aller en haut. Il y en a 10 parce que c'est faut monter à chaque ouais, fois. Ouais, je pense que ça va être ici. Va par là, puis va par là, puis va par là. Mais en fait, tu montes sur le toit, tu le trouves, le truc. Mais par contre là on était peut-être un peu rapide. Il y a une petite caisse ici. Non, ça c'est toujours outil. Ça. Alors on a été un peu rapide pour la 8ème je pense. Ah c'est pas par là, c'est peut-être par là. C'est par là, là où je suis. Ok, que fais-je? Ça tire sur quelque chose là. Ouais, c'est moi. Ok, j'ai regardé le bêtisier sur YouTube, j'en pouvais plus de rigoler. Ah bah oui, Riven. Ceux qui n'ont pas encore vu le bêtisier, allez jeter un coup d'œil. Bêtisier des 3 premiers mois de l'année, c'est épique. Et encore, j'ai pas tout mis, parce que sinon la vidéo elle aurait duré une heure. Il est là. Il est là. Qu'est-ce qu'il fout là, dans un coin? La grenade ou la porte fermée, oui, ça je pense que beaucoup vont m'en parler. Mais d'habitude, dans Star Wars, les portes elles s'ouvrent. Mais là, elles s'ouvraient pas. Mais à mon avis, c'est parce qu'il n'y a que les attaquants qui peuvent ouvrir ou quelque chose comme ça, je crois. Et c'était énorme. Ouais. On dira pas que j'ai le meilleur... Où ça? À Redis?
Ah, ici, ouais. Just. Juste là où t'as sauté, en fait. Ouais. Hop là. Oh, le coup avec l'empereur, c'était pas mal. Hein. Oui, je regarde des c'est la boire. Première fois de ma vie que j'avais un héros dans une partie multi. J'étais tellement fier. Et je me suis dit, c'est des big boss, ils meurent jamais, quoi, tu parles. C'est quoi les pouvoirs, c'est quoi les touches? Boum. Ouais, c'est ça, voilà. Non, c'était cool. Il y a une petite pièce de ravitaillement aussi par là, si vous avez... Ah, ça par contre, ça serait bien. Et ici, il y a un petit truc aussi. Sorte de ravitaillement. Ah bah non, elle est pas là. Il y a un truc ah mais non, ici. Elle est pas là, putain, elle est pas là. Voilà, elle est là. Alors, opérer, réparer la liaison montante. Ça nous a... La... Alors on y va, c'est parti. Avec Dark Vador qui me poursuit aussi, c'était pas mal. Ah, ici un truc à prendre, au pire on recyclera. Il y a des gens méchants, je crois. Non, c'est pas lui. Ah non. Non, on les a pas tués. Ouais. Alors la liaison montante, mais il va falloir monter je pense. Qu'est-ce que... Oui, il y a des gens qui tirent partout là. Ah, les mecs qui se tirent dessus. Là. Ah, il va falloir partir par là je crois. Ouais, venez. C'est par ici, c'est à l'intérieur du bâtiment en fait. On y va. Bon, redescend, redescend. Bah oui, vas-y, active. Hein. Ok, je vois pas, c'est pas par là. On a laissé Aridy, c'est pas le fait gérer derrière. Si, c'était par là. Reviens. C'est par là. D'accord. Ah ouais. Écoute, vas-y. Fallait que t'ailles au fond. Je crois qu'en bas c'est un peu. Ça va du côté d'Aridy, enfin je sais pas. Oui. Non. Ça va. Ok, bah allez, on va monter. Il y a un chrono. Salut Monster RATP. Ah. Bon, je vais pas faire de jeu de mots avec ton pseudo, mais le métro à New York est un peu dans la merde en ce moment. Hop là. Oh, je crois que je suis suivi. Ouais, je pense. Ah, je me cherche. Hop. La mine me cherche. Parer l'antenne. Alors, le courant, il faut aller en haut. Alors, c'est... Non, là ça sert à rien. Non, il y a le grillage au-dessus, tu peux pas passer. Ah merde! J'ai cru que c'était quelqu'un de chez nous, mais ouais. Non. Ouais, moi aussi. Je l'avais pris pour Aridis, mais. Ça faut venir par là, je pense. Ok. Ah bah oui. Ouais. Allez, avançons. En passant sur le camion. Monster ATP, d'accord, ok. Sorry. On sait que c'est en rapport avec la RATP, mais pas du tout. Alors, voilà. On sent que Colfège il a l'habitude de faire ça dans la vraie vie. Allez, Nick. À quoi faire du parcours ou cambrioler les immeubles par le toit? Cambrioler les immeubles par le toit. On a loupé un guide de survie. On va aller le prendre et puis après on va aller dans l'appartement là. Je vais essayer de les sniper, je sais que c'est pas une bonne idée mais je m'en fous. Si c'était quand même une bonne idée. De toute façon on les aurait eu en descendant. Non, pour le sniper t'aurais lancé ta tourelle. C'est ça, c'est ça. Avec une grosse grenade à côté. Alors... Allons récupérer ce guide de survie. Je crois qu'il fait du tennis alors. À ATP, ça peut. C'est le tennis aussi. Et puis, c'est peut-être privé. Hein. Peut-être qu'on se prend la tête pour rien, peut-être qu'il savait pas quoi. Tout est possible. Tout est possible. Allez, on y va. Guide de survie. Vu qu'on va sur 7 Day to Die ce soir, ça sera utile. C'est vrai que si ces graphismes là étaient dans Seven Day to Die, ça serait bien, mais vous imaginez la taille du jeu.
Ah, il y a un groupe. Il y a un paquet. Il y a une manifestation là. Hop, oups. Oups, non, pas par là. On va aller se mettre ici. La tourelle. À mettre à côté l'autre. Ah, sinon, tu veux pas le prendre le truc de sang. Ah mince, je suis passé à côté. Ah, je suis passé à côté, merde. Oui, j'étais carrément à côté. Je me suis focalisé. Aïe. Ah, c'est ta team monster. D'accord. Ah voilà, on avait tout faux. Bon, on était venu pour quoi ici? Ah oui, un truc de survie qui est ici là. Reviens en arrière, alterne. Ouais. Tu fasses demi-tour. Ouais, je sais, mais je prends tout tous mes trucs. Ah oui, vous êtes... Non mais enfin... Oh. Je vais lui faire des signes. On est là. Il y a un pire dessus en plus. C'est vraiment honteux. Oh là là, mais il faut en faire du chemin dans ce jeu. Moi j'ai perdu 40 kilos. Évidemment, dans ce côté des trucs, faut que tu reviennes en arrière. Ouais, c'est clair. Bon. Ils veulent m'emmener sur un échafaudage alors. Dans le bâtiment là, pas là. Ah non, moi je rentre pas par la fenêtre, c'est pas poli. On va rentrer. Bon, allez. On va à gauche après. Je peux pas rentrer. Ouais, c'est l'autre. Ah ouais, il y a une fausse fenêtre en fait. Alors, guide ouverte, mais tu peux de pas survie. Passer. Ok, nouveau guide de survie. Merci Monster pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne Azer. N'hésite pas à aller sur Discord et sur YouTube. Bienvenue à toi. 388e follower. Waouh. Bah du coup on va aller faire la mission. On a localisé la résidence principale suspecte de la création du poison vert. Alors. Vous allez devoir vous infiltrer dans un immeuble résidentiel de Hell's Kitchen et récupérer tout ce qui pourrait confirmer nos soupçons. Ordinateur portable, mur, tablette, tout ce que vous pourrez trouver. Le seul problème c'est qu'il y a encore des civils sur place et les nettoyeurs vont vouloir stériliser la zone. Si Amherst n'est pas le type qu'on recherche, je mange ma centrifugeuse. Il faut retrouver ces travaux, c'est votre priorité absolue. On ne peut pas abandonner ces civils, docteur. Si on ne trouve pas très vite plus d'infos sur le virus, il n'y aura plus aucun civil à sauver. Ok. Donc, l'appartement du bioterroriste supposé a été localisé. Il va falloir y aller. C'est pas facile, hein, comme... Enfin, moi, j'ai des souvenirs d'un final avec plein de nettoyeurs partout. Ça va pas spécialement être simple. Mais je suis là, vous inquiétez pas. C'est pas crédible. Moi, c'est génial parce que ce côté-là. Hein, oui, je sais. Tu trouvais pas facile, tu verras quand tu feras des missions difficiles. Non, j'ai hâte. J'ai vraiment besoin. Non, j'ai quelques souvenirs de. Je sais plus où j'étais arrivé. Je les ai pas toutes faites. Je sais plus où j'étais arrivé dans les. Je vous propose d'ailleurs de passer à l'église d'abord. Ah, bah, les barricadés. Oui. Bah, franchement, si la maison de Dieu peut plus nous sauver, alors on est mal barré quand même. Non, Colfège. Il y a un écho là, si vous voulez. Ah, il faut que je coupe mon micro? Non. Alors Aridis, où est l'écho Aridis? Ah bah il est juste là. On va aller voir, c'est toujours sympa. Ça fait très roleplay les ça fait écho. Toujours 330 d'XP. Ah aussi. Reconstruction terminée, activé écho. Moi je l'ai pas vu parce que je l'avais déjà. On est trop nombreux pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah voilà, c'est la maison de Dieu. C'est justement le truc de l'église. Exactement. Il y aura un dossier là où je suis. Nous devons être solidaires. Et il est où le prêtre? Ah, pasteur. Bah oui, forcément. Ok, bon. Bah écoutez, voilà. Alléluia. Et alors, on va aller... Aridis a un dossier. Dans la petite rouelle à côté. Puis une caisse. Et une caisse. Tout va bien alors. Que de découverte. Ça doit être dur à avaler une centrifugeuse. Oui, je me suis dit ça aussi, Raven, mais j'ai pas osé la faire. On prend tout. Et alors, un dossier ici. On aussi. Maintenant un habitué de bon, forcément, ça passe. Ouais. Alors, Joseph, qu'est-ce que vous pensez de cette grille du trou. Dollar Pardon. Je pense que ça montre vraiment à quel point notre pays est vulnérable. Je veux dire, faut vraiment être stupide pour pas aller à l'hôpital quand vous avez des éruptions sanguinolentes sur tout le corps. Les gens, ils vont travailler, ils font leurs courses, ils vont même au cinéma. Et ils contaminent des milliers de personnes sans réfléchir. Ouais, je vous le dis, tout ça, ça va prendre des proportions énormes. Juste parce que les gens sont trop cons pour comprendre ce qui se passe. Ils disent que ça leur arrivera pas. Et il n'y a personne, ni au gouvernement, ni ailleurs, qui ait l'intelligence et le courage de faire le nécessaire pour empêcher que cette saloperie se propage. Désolé de vous couper, Joe. Merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Il n'a pas totalement tort, ceci dit.
Il n'a pas totalement tort. On va passer à ce holster en plaque céramique. Niveau 16. Hop. Et alors on va regarder au niveau des modes. Ah ça c'est cool, j'ai un mode qui ajoute plus 68. Ok, c'est ça les modes performance, d'accord. Ok, est-ce que... Attends, juste regarder mes armes. Non, j'y suis pas encore. 263 et là j'y suis... Ah, 211 maintenant, donc j'ai le talent qui est activé parce que j'ai 228 ici. Bah, tu vas voir que normalement l'icône est en blanc. Ouais, c'est vrai. Quand aucune compétence est en cours de recharge, les dégâts de votre arme augmentent de 10%. C'est pas mal. C'est sympa. Tu voulais dire quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé. Pour les armures, alors fais voir tes armures, enfin ton sac par exemple. Ouais, moi mon sac, c'est ça mon sac, oui. Attends, il y a le retard sur le live. Oui, je t'en prie. Voilà, ça arrive. Voilà. Donc tu vois, il y a deux cases. Oui, enfin, je vois. Il y a deux cases à droite et il y a une case à gauche. Oui. Les cases qui sont à gauche sur les armures, c'est tout le temps les modes de pas de performance, mais les autres, de stats, armes à feu, endurance, etc. D'accord. Et celles qui sont à droite, c'est que pour les performances. Donc tout ce qui augmente les statistiques de tes compétences. Ok. Donc c'est pour ça que des fois, tu verras des modes, tu as l'impression que tu as une place et que tu peux rien épicer. Ah, c'est parce que tu n'as pas de mode qui correspond, en fait. Okay. Et le mode qui est au-dessus, sur le sac, c'est le mode justement pour mettre des skins. D'accord, ben voilà, D'accord, oui. Ah oui. Ok, nickel. Que tu mets avec G quand t'es sur le sac. Ok. Logiquement, tu dois pas en avoir. Non, moi ça m'intéresse pas encore, mais ça peut être sympa. Non, c'est même pas ça, c'est que ça se loot, t'as pas été là où ça se loot. Ok, d'accord. Alors moi j'ai mon inventaire est bon, on va donc aller faire, on va aller visiter cet appartement, on va faire une visite d'appartement. Bon. Bonjour. Bah, moi je ne le louerai pas, je me rappelle dans quel état il est. Ouais. Bah, il est très chaleureux, au sens premier du terme je pense. Ah, il y a du monde là. Ah mais vous êtes pas du tout où je suis, hein. Moi, je vais vous les attaquer derrière vous. Ah mais vous êtes à Ice Kitchen. Bon ben je vais attendre. Je vais pas les combattre. Hein. Non après ils vont mourir et. Ah mais vous êtes là vous. Islamar, qu'est-ce que tu fais encore? Oh là là, bah, là, moi là. Je suivais le GPS. Mais voilà, les gens qui suivent le GPS, ils se retrouvent. Aïe. Ils croisent des gens. Ouais, on fait des rencontres surprenantes avec un GPS. Allez, encore, c'est encore un truc à aller chercher là. Et puis après je viens, voilà, hop, on va tout prendre. Si. Clinton. Non, voilà un Clinton. Clinton. Après on ira à Trump, il y a Obama. Oh. Pardon, excusez-moi. Allez, fouillez l'appartement d'Amherst, c'est parti, grande mission. Alors une gaffe au générique indécence qui traîne partout. Ouais. Suspect, c'est généreux de votre part. Allez, c'est parti. Jusqu'à preuve du contraire, non? Non, arrêtez. J'ai déjà rencontré un homme. Ces options de nettoyeurs sont collectives. J'espère qu'ils vont pas tout faire rater. Vous aimez le feu? Hommage à Johnny. Moi aussi, je sens enfermé. Allez. Attention, corps à corps. Où ça? Y'a plus. Ok. Quel un outil. Il y a une caisse ici, on l'avait pas vu, je pense. J'aimerais bien parler avec l'un de ces nettoyeurs un non jour. Ouais, je pense qu'il y a une caisse. C'est chaud, c'est chaud. Alors, si t'en as, faut que tu prennes une barre énergétique, ça coupe le feu. Ça marche. Ah, mais vous avez avancé, le, ou le mieux, c'est de la mettre sur un raccourci pour l'avoir directement. Moi, je visite, et puis je visite, quoi. Munition ici. Ah mais vous êtes pas du tout. Je suis ici, je pense. Et où est-ce que vous êtes? Aïe, pardon. On a suivi les indicateurs. Ouais, je sais, je vois.
Waouh, il y a pas un peu beaucoup de monde là? Allez hop, une tourelle qui est très mal mise. Bah si tu trouves qu'il y a du monde là, attends la fin de la mission quoi. Ouais c'est vrai. Là c'est calme. Il y a un sniper là-haut, j'aime pas ça. Il y en a deux même. Il y en a deux même. Un gros. Viser derrière. Bombe sur les côtés déjà. Comme ça là. Ouais. Oh une flambe. C'est bon. Boum. Ouais, enfin c'est bon. Faites gaffe au sniper. Plein de trucs à prendre partout là. Aïe! Là, il y a toujours les deux snipers là-haut. Je suis en feu. Ah, y a un truc. Tu m'avais dit en feu, j'appuie longtemps sur V et c'est les barres de. Ok. J'ai trouvé l'appartement d'Amherst. C'est tout droit, de l'autre côté de la cour. Mais la route est coupée et on ne peut pas. Le mieux, c'est de les mettre sur un raccourci. Moi par exemple, je les ai mis sur F8 comme ça. Oui, c'est vrai, j'avoue. Ok, alors on avance. Il faut juste qu'on reste groupé. Mais c'est moi qui suis. Colfège, attends, Colfège, tu vas beaucoup trop vite là. De toute façon, là c'est bon, hein. Tu peux avancer. Pour... Ouais. Ça va pas... Attends, y'a pas un truc qui a le fond là-bas. Je pense que Colfège, j'allais voir. Là y'a des caisses. Y'a des caisses par là. On va envoyer quelqu'un pour rassembler les survivants et les ramener ici. En attendant, continuez à leur déblayer le chemin. Alors. Y'a rien à pro ici. Y'a si, un kit aussi. Armure de terrain, nickel. Réprovisionnement où je suis avec le kit médical si vous avez besoin. Ah ok, réprovisionnement ça va rendre ça c'est cool. Vous l'avez ouvert la petite caisse? Ouais. Ah, j'ai pas ouvert la petite caisse mais j'ai fait le réprovisionnement donc... Non mais la caisse avec l'équipement à récupérer. Moi il y en a une que j'ai. Il y en a une que j'ai faite. Bah celle qui est là, derrière la table. D'abord. Il y a des tables partout. Ici j'ai pas. Non mais. Ici là. Dans cette table là. C'est une table ça. Là il y a une caisse là ici, dans le coin. Ah oui, si j'ai fait. Hop là. Il y a quelqu'un qui est pas encore fini. Oh là 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 là, waouh. Allez, va chercher. Attention, ça va péter. Ils sont nombreux, hein. Putain, je vais mettre pour où ils sont. Ah mais c'est qui encore? Yagro. c'est qui Yagro? Ah oui. Il est très gros. Non, c'est un jaune, c'est pas un gros. Oh, mais il est gros pour moi. Voilà. Ah merde. Très très bien. Vous y êtes presque. L'appartement est à l'étage. Voyez ce que vous pouvez trouver. Comment ça l'appartement est à l'étage? Si Amos est bien le créateur du virus, il a forcément dû laisser des traces quelque part. Ouais, je pense qu'il est le créateur du virus. Mais ils ne détruisent pas les preuves de ce qu'ils accomplissent. Une flashbang, si vous voulez. Hop. Là-bas, il y a un truc. La flashbang. Ouais. Pas très accessible comme appartement. J'avoue, si elle doit faire ça tous les soirs pour rentrer chez elle... Avec ses courses.
Alors moi, c'était me faire un barbecue, c'est bon. Exactement. Il y a de quoi faire en produit inflammable. Et si vous trouvez un Hearst, ramenez-le ici. Ah, merci, ah, et... mais... ah putain. On n'aura pas autant de chance. Ce serait voilà. Mais c'est joli à l'intérieur, hein. Un peu trop d'ordure, mais sinon c'est joli. Alors moi, depuis que j'ai mis la touche double clic là, enfin double touche pour sauter dans tous les sens, j'arrête pas de sauter dans tous les sens. Ah ici il y a des trucs là. Il faut trouver des preuves. Vous avez trouvé ce qu'on cherche. Comme il s'agit d'un objectif prioritaire, il faut extraire la preuve. Pour votre extraction. Mais vous allez devoir sécuriser. Je pense que ça va mal se passer. Et ne jouez pas avec le feu. Revenez ici avec. Ne jouez pas avec le feu. Elle est drôle. Mais nous on joue pas avec le feu, c'est eux qui jouent avec le feu. Ah c'est là que ça va être ouais. Là ça va commencer à être tendu. Ouais, là, wow, ça wow, 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 il y a du monde hein. Oh tu crois? Drogue, grenade pardon. C'est tout en fait. Ah vous êtes mis au-dessus vous. Bah oui. C'est très bien. Non, je crois qu'il va pas sortir le temps. En fait, c'est par là, je vois rien avec la fumée en fait. Voilà. Faites avec tous les décors, j'ai des... glitch. Ok, nickel. Tenez bon, si on veut récupérer les preuves, ah, des fois les glitches, ça sauve une mission. Bien sûr. Oui. Ah oui, c'est pas facile ici, il y a des trous partout. Par où il faut passer? Ouais, mais par, mais par en dessous, je pense. Il faut faire gaffe quand tu sautes de pas tomber dans le feu. Ouais, il y a une case de réapprovisionnement, ouais. Ça va être bien. Vous êtes chaud cet après-midi, exactement Raven, exactement. Ça avance sans trop de soucis. Ouais, oui, oui. Bon, on y va. Pourtant, on a fait que des missions secondaires, ça n'a pas beaucoup avancé. Oui, voilà. En même temps. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est chaud, hein. Il y en a en dessous, là, en plus. Ah, mais oui, je sais. Fallait pas passer par là. Par là. Eh merde. Je suis un peu bloqué. Voilà, ici, c'est beaucoup mieux. Il y a deux snipers en haut. En temps normal, cet hélico sert exclusivement à récupérer du matériel hautement contaminé de la Dark Zone. Mais on va faire une exception pour cette opération. Ah, qui joue le kamikaze pour parler hélico? Moi, mais attends, je reprends un peu de vie. On peut pas monter par là. Descends, bordel! J'ai eu la même réaction que toi. Attendez qu'il arrive l'hélico quand même. Ouais. Tant que vous avez pas la corde, c'est pas la peine. Attention, un agent de votre équipe. Qui a un problème? C'est moi. Ridis, descends. Non, 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 reste là, vas-y, approche-toi un peu. Voilà, bouge plus, je te raise. Non mais... ouais, mais c'est un peu comme un trou à rat ici, hein. Oh. C'est même pour ça que je dis qui c'est qui fait le kamikaze pour y aller quoi. Voilà, bah moi je suis mort. Qui a dit que c'était, ça avançait sans trop de soucis aujourd'hui? Bah c'est toi. Non, c'est quelqu'un sur le stream. Ah les saletés de sniper. Et en plus il fait tellement grand, il fait tellement... Qu'est-ce que c'est chiant les Twitch. Bonjour la facture de gaz, exactement. Oh là 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 là. Voilà, il va péter lui. quand t'es mal, quand t'es dans le feu quoi. Clairement ça quoi.
Ah merde, j'ai plus de... Un sniper jeune. Je sais pas ce que je peux mettre en... Raidis, faut que tu passes la fenêtre juste derrière toi. Ouf. Ouf, t'es... Oh, bah non. C'est compliqué. T'as pas une ah merde. Bon, on va la refaire. Ah, on est tous morts. Ouais. Et puis en plus, toi, en botte, t'étais vraiment mal. Hein. C'est vraiment le coin à mourir. C'est ça le feu d'action. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous remarquerez que j'ai survécu jusqu'à la dernière balle. Mais, c'est compliqué. Hein. C'est... Une vie n'est pas toujours facile. La vie, c'est comme une autoroute. Enfin, ouais. Mais sinon, disons qu'à un moment... À un moment, être en bas, ça faisait un peu... Non, la fosse au lion, quoi, tu vois. Reviens, Colge. Va pas trop loin. Il y a à se ravitailler. Déclenche pas le truc tant que tout le monde n'est pas là. il faut se ravitailler. Partez pas en bas. Colfège, ici. Tu as pris Colfège, là, après approvisionnement. Ouais, oui, Colfège, ouais. Par là. On va rester en haut. On va rester en haut. Ah. Fais demi-tour. Par là, il y a un escalier là-bas. Faut faire demi-tour là. Ah. T'as pas vu, c'est lui. Voilà, déjà là, la première phase est un peu plus tranquille ici. Ah, oula, what? C'est cool ça. Rien que je tire. Ah non, ça a bougé au dernier moment. Oh, ah mais non, finalement c'est bien. C'est là que je voulais la mettre. Oh! Le sniper m'a touché. Ouais, il est trop mal, non? Il n'y a plus de sniper, enfin plus celui-là. Ceci. Il y en a encore au moins. Ouais, il y en a encore un. Il y en a un violet là. En plus, dans le brouillard, c'est. Ouais, il y a vraiment. Ça, on ne voit plus rien, quoi. Il va falloir bouger. Hein. Attends, je vais déclencher les trucs. Je tire n'importe où, hein, mais vraiment n'importe où là. Et là il n'existe plus. Tu l'as non plus, nettoyage de rue, ok. Attends. Là, là-bas, là. Je vais mettre le colis. Ouais, si tu sais, oui. Mais... Ok, nice. C'est bon tout là ? Ouais, j'ai plus de sniper. Donc éliminer les nettoyeurs restants, il y en a un violet là. Il y a le boss qui est descendu. Le jaune. Ouais, il reste le jaune. Putain. Il y en a un à côté. On va mettre la... Ah, c'est un sniper, ok. Il est où ton sac qui explose toi? Oh! Putain, le mec il m'est monté dessus. Bon, on va essayer de prendre encore ce truc là. Le bouge, le jeune est descendu. Bien. Ah, mais évidemment, sorry, Luc. Il descend ce con. Allez, merde. Merde, il est à côté de moi. Arrêtez. Oh la vache, je suis pour une grenade.
Est-ce qu'Aridis m'entend? Ah voilà, c'est bon. Ok. Juste en dessous de vous, s'il y en a un qui peut descendre pour me réanimer, ça m'arrangerait. Et il y a... Et moi aussi. Je vois rien, je vois rien, je vois rien, je vois rien, et c'est en train de me tirer dessus partout. Bah déjà, le boss il est mort, donc... Ah merde, mais je voyais rien. Non, je voyais rien, je suis désolé, moi c'est mort. Ouais, c'est tout le monde mort. Ouais, c'est bon? Tout le monde est mort? Abandonné, ouais, ouais. Ah, putain. Je voyais plus rien. Je devrais pas en penser à acheter des chargeurs grande capacité. Ouais, peut-être The Beef, ouais, c'est vrai. J'espère que ça nous fait pas recommencer depuis le début de cette grande zone. Ah si. Ah non, extraire la preuve. Oh, allez, c'est reparti. Ouais, j'avais pas un bon souvenir de cette zone-là. Bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on joue aussi, c'est pour la difficulté. Que c'est rare quand même un bon jeu avec une vraie difficulté un peu en PvE. Non, mais le souci là, si, c'est la brume, quoi. On voit que dalle, c'est... Là, je voyais rien. Moi, j'essayais de sauter pour vous rejoindre, je savais pas où on pouvait sauter. J'essayais d'avoir les snipers, mais je sais pas où ils sont. Voilà. Bon, loin. De toute façon, on aura plein de doutes après, par contre. Bon, quand vous voulez... Bon, on y est. Voilà, on va mettre une caisse ici. Y'a personne qui a des caisses pour réanimer. Enfin, pas réanimer, pas pour ressusciter, mais pour donner de la vie. Ok. Bouge pas, cocktail. Moi, je l'ai, mais je peux pas l'équiper. Hein. Oh là 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 là, c'est chaud. Ça brûle. En temps normal, cet hélico sert exclusivement à récupérer du matériel hautement contaminé de la Dark Zone. Mais on va faire une exception pour cette opération. J'en ai marre. On ne voit rien. Oh, c'est affreux, ce brouillard. C'est vraiment galère, hein. Merci Aridis. On va faire attention au snipe. Ouais, c'est vraiment ça. J'essaie de les avoir. Voilà. En fait, il faut deux à gauche, deux à droite pour... On va essayer d'avoir le snipe, mais c'est... d'aller par en dessous. C'est étrange ça. Qu'est-ce que j'ai foutu la tourelle ici? Ok, ça c'est fait. Ah mais les snipers ils sont méga relous quoi. Allez, saute. Ça va bien. Ouais, je sais. Ouch! Mais au moins ici, je suis à l'abri des snipers. Mais fais gaffe, il y a quelqu'un juste au-dessus de toi. Il va te cramer la gueule. Oh, ça me bourbonne, elle veut pas exploser en plus. Santé! Bon, il nous reste 3 minutes. Aïe! Ah, le boss arrive. Vite! T'as arrêté, tu es juste derrière toi si t'as moyen.
Alors, j'ai fait l'extraction, mais je suis en mauvaise posture. Attention. Donc, alors surtout ne vous pressez pas, au pire je vous rejoindrai. Vas-y, continue à avancer par là. Moi je suis juste au-dessus de toi là. Bon, c'est juste qu'il y a un mec. Ah putain. Ah. Et vous faire quelque chose ou pas? Ah, si mon ulti se recharge, oui, je peux faire quelque chose. Ok, t'inquiète. C'est pas... Bah non, je peux pas. Je suis mort. De réunir... Tout le monde est mort? Ouais. Putain. Ah, la mission la plus longue de notre vie. La mission la plus longue de notre vie. Ah, attendez, j'ai passé en soin. Si je peux changer. Non. On n'est pas en... Là, non. Putain, on peut pas changer, là. Ah, c'est pas Rookie. Ah, si, tu peux changer. J'ai pris full soin là. J'ai pris la truc de réanimation et tout. Oh, je l'ai pas. Hein. Hop. Ça, je vais la placer et puis. Pourquoi il veut pas s'équiper ce truc? En tout cas, on aura plein de quand même. Ça, voilà. J'ai un bug en fait. Voilà. Ah oh bah au moins il fait un peu plus clair. Quand vous voulez. On y va? Allez-y, allez-y, j'arrive. Voilà, c'est ça qui manquait. Je sais pas, j'avais un bug, je pouvais pas l'équiper tout à l'heure. J'essaie d'avoir les snipers, je vais essayer. Ok, un de moins. C'est vrai, c'est pas mon sniper habituel, c'est pas un verrou, je fais pas de dégâts avec ça. Ah au moins maintenant j'ai mon ultime. Attends. Ok, un sniper de moins, c'est bon. Je pense qu'au niveau sniper, pour le moment, je vois plus rien. Ça va peut-être revenir, mais... C'est toujours ça. On est intervenu. Ok, il y en a je vais m'en occuper, Prends celui de droite. Les snipers en premier, sinon viser les murs qui te font. Ouais. Le problème, c'est qu'ils sont quasi infinis. C'est bon, j'ai eu celui de droite. Ouais, celui de gauche aussi. Et au fait, c'est infini tant qu'on recharge. Allez, faut y aller là. Ah yo. Je vais en bas moi. Je vais en bas. Attends. Ouais, je suis juste placé en bas. Vas-y, tu peux descendre, je pense. Je suis en bas. Tu peux activer le sniper. Oui. Fais gaffe. Attention. Ça me tirait dessus. Le jeu à droite. J'ai juste mettre une tourelle ici au cas où il y a un connard qui descend. Alors celui-là, on y va. Putain. J'ai le sniper. J'ai. Il y en a encore un. Il y a deux jaunes.
Ouais. Ce sont des snipers, par les jaunes. Je fais aucun dégât, voilà. Il explose. Elle peut pas exploser cette bombe là. Bon. Ah, évidemment. Faut qu'il explose quand il est sur moi. Ah, pardon. Ouais. J'ai celui de droite. Allez, regarde là, c'est bon là, je pense. Ouais. On est pas trop mal là. Je pense que c'est bon. Le loot qu'il y a. Il nous reste un, faites gaffe. Ouais, 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 il nous en reste un. Allez, théoriquement. Ça compte mourir maintenant. GG. Ouais, il en reste encore un. Il en reste encore un. C'est un. Ah oui, c'est, en plus, c'est pas n'importe qui là. Oh, mais c'est de la triche, les grenades, elles passent pas dans la fenêtre. Bah voilà, si c'est pas là, si c'est pas... Allez, c'est bon, il va exploser là. GG. Voilà. Bah voilà. Il y a une case d'approvisionnement. C'est en forgeron qu'on devient forgeron. C'était pas mal du tout. C'est plus simple quand on y voit clair. Exactement. Ouais, ça c'est vrai aussi. Bon, alors on va prendre tout le loot, on va aller jeter un coup d'œil à la base d'opération. Bon, franchement, je pense pas que je ferai de Dark Zone. Je vois l'heure qui tourne, etc. Si pour rentrer dans la Dark Zone pendant une demi-heure, etc. Voilà. C'est pas très très grave. De toute façon, je fais un stream sur le jeu mardi soir. Non, pas mardi soir, mercredi soir. Mardi soir, c'est un autre jeu. Il y a plein de trucs à prendre, on va aller faire des tours dans nos inventaires, on va faire de la gestion. Là. J'ai tout le tour presque, de toute façon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de... Bon, l'appartement, on le prend pas alors. C'est trop cher pour déménager. Oui, c'est vrai, pour le déménagement, oui. Il y a trop de travaux à faire, je pense. Hop là. Sortie. Nouvelle preuve disponible. Hop. On va regarder la nouvelle preuve. Ah non, ça tire encore là-bas. Ah non. On doit sortir ici. On va regarder la nouvelle preuve. On va voir un petit peu ce que ces nouvelles preuves nous donnent. Ça va où ça? Dans les preuves, c'est là. Dossier. Preuve. On va regarder, on avait déjà vu. On va regarder ça. Voilà. Ça veut bien se charger. Ouais. Ce que vous voyez là, c'est le virus de la variole. En temps normal, la période d'incubation dure entre 1 et 2 semaines, au cours desquelles le porteur n'est pas contagieux. Les notes d'Amherst indiquent clairement qu'il cherchait à rendre le poison vert infectieux pendant son développement et à stimuler le processus d'incubation pour accélérer sa propagation. En d'autres termes, le virus est plus contagieux et se reproduit plus vite. Ça fait pas nos affaires. Ok, rapport de progression, vidéo disponible. Ah, il y a une vidéo disponible, c'est là que j'ai regardé, je pense. Okay. Donc voilà. Progression totale. Mission, ok. Bon, moi je rentre à la base d'opération. On a pas mal de choses à déverrouiller. Donc qui même me suivent. J'ai plein de trucs dans l'inventaire en plus. Alors M, où est-ce que c'est? J'ai trop hâte que ça. On va, déplacement rapide. Plus personne ne parle, à mon avis tout le monde est dans ses menus en train de. Non mais surtout comme tu as regardé la vidéo, moi je veux pas.
Oui, je sais, mais dès que je me... Non, ça c'est super sympa. Mais après, quand je me reparler, c'est que c'est bon. Mais c'est sympa pour les viewers. C'est un jeu, voilà, il y a aussi un bon background un peu... Ouais, Riven, il faut viser les lumières, mais c'est pas toujours évident non plus. Ouais. La lumière n'est pas vraiment précise. Ouais. Alors, j'ai... Surtout quand t'as du brouillard comme ça. C'est clair. J'ai pas mal de points partout, là. Alors, un truc avec les points, là, justement. Ouais, dis-moi. C'est pas parce que t'as des points à dépenser qu'il faut absolument les dépenser. Ouais, je sais, je m'étais déjà dit ça. Vaut mieux que tu regardes les trucs que tu veux acheter et combien de fois de points. D'accord, ouais. Là, par exemple, le truc, le centre médical, le must-have à avoir, c'est le premier truc à avoir, c'est le truc à 1000. Ouais. Faut vraiment économiser pour acheter ça. Vous faites du super boulot, mais ne vous relâchez pas. Je vais quand même aller voir la zone de sécurité. Parce que ça, je l'attends... Le technologique, pardon. Parce que j'aimerais bien améliorer mes tourelles. Parce qu'il paraît que les tourelles avec flammes, quelqu'un m'a dit que c'était bien. Ah, sinon, tu peux aussi acheter, par contre, les mines téléguidées. Toi qui aimes bien faire des explosions, c'est encore mieux que la bombe collante. Mine téléguidée, 500. Récompense, augmente de 1 l'emplacement de l'inventaire de la Dark Zone. Ça c'est bien. Il y a aussi le truc à 400 qui améliore mes bombes. Je faudrait peut-être essayer. Il faut bien que tu penses que si tu prends les tourelles et les mines, tu vas plus utiliser les... Ouais, exactement. Les mondes commandes, donc tu peux économiser là-dessus. Là. Parce que alors c'est pareil, dans les mines, dans les modes, il y en a deux qui sont vraiment très bien. Le premier, c'est elle fait une zone de flamme en fait. C'est une grenade incendiaire. Mm-hmm. Donc c'est toujours pareil, hein, les mecs qui sont en flamme, ils font plus rien. Ou t'as la deuxième qui est elle sépare en plein de petites bombes qui vont frapper plein d'ennemis dans tous les coins. Bon, on va tester les mines téléguidées. Ces deux-là sont très pratiques. Ouais, j'ai pris les mines téléguidées. Je regarde dans les points à 200. Non, cela ne m'intéresse pas encore. Donc on va aller voir où est-ce que c'est. Ah, les communications, ça c'est important. Maintenant on va pouvoir rester en contact avec nos équipes sur le terrain. Beau travail. Ok, donc ça c'est cool. Alors on va aller voir les autres ailes. Si les nettoyeurs avaient détruit la garde, parce qu'il y a des choses intéressantes dans l'aile de sécurité ici, notamment utiliser l'ordinateur portable. J'ai 400 points. Alors, opération de la Dark Zone. Bon, les boucliers m'intéressent pas. Maintenant, il y a les achats avec les fonds de la Dark Zone dans la barre d'opération. Moi, ça peut être sympa, ça. Marchand de vêtements, je m'en fous. Armurier. Balle explosive, j'utilise pas. Poste de garde, balle incendiaire, mission spéciale, ouais, j'utilise pas encore, découverte. Et alors la caserne, c'est quoi? Non, je vais prendre ligne de ravi, je vais prendre l'opération de la Dark Zone, comme on l'a fait souvent. Voilà. Capacité déverrouillée. Nickel. On va aller voir ici ce qu'il faut faire. Le centre tactique va nous aider à organiser les sauvetages et autres opérations dans la Dark Zone. Okay. Beau travail, agent. Ah oui, j'ai des pistolets violets quand même. Pistolets mitrailleurs violets. Gilet d'attaque. Je suis niveau 17. Ah oui, je suis niveau 17 maintenant. Un gilet d'attaque 135, c'est quand même pas mal. Emplacement de mode, il y en a deux. On peut le prendre celui-là. Voilà. Tu reviens en un seul morceau, ok? Ah oui, alors j'ai le truc unité cynophile là, avec la caisse de chargement, un mode arme à feu intégré. On va aller voir du côté de cette aile là. Je pense qu'ici par contre. Qu'est-ce qu'il y a en soins intensifs? De toute façon, ces modes, je les utilise pas. À quoi là, l'inventaire des kits de soins de un emplacement, ça limite, c'est pas mal. Ouais, c'est pas bien. Mesure protectrice. Surtout si tu n'utilises pas le soin. Ouais. Ou alors, j'ai une unité hazmat. À quoi la protection contre le virus de 1. Mais dans la dernière truc qu'on a fait, j'aurais bien aimé avoir un truc de soin en plus. Alors, kit de soins. Les trucs de zone de soins, enfin, les le filtre, t'as le temps, en fait. Tu feras pas les autres, tu les feras plus tard, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, oui, c'est ce que je me disais. Ok, soins intensifs. Ah, ça c'est de l'amélioration. Vous devriez augmenter vos tarifs. Et il y avait... je pense soins pédiatriques. Attends, c'est quoi? Ah merde, je l'ai déverrouillé. Ah, j'ai mis ce clic. Mais ça me fait deux emplacements de kit de soins en plus. C'est pas mal, on est à 70% pour l'aide médicale. Ça c'est cool, soins pédiatriques. On va enfin pouvoir offrir une prise en charge décente aux nourrissons, aux jeunes enfants. Non, c'est pour les enfants, on s'en fout ça. C'est pour les enfants qu'il faut sauver en premier. Enfin, une unité de soins intensifs. Non, c'est ça, débloque des bonus ou des talents. Les cas les plus graves vont sauver des vies, agent. Ok, bah voilà, ça c'est cool. Ah, par contre, il faudrait que tu ailles voir un truc, c'est ton marchand de récompense, je pense que tu as oublié des choses. Alors, marchand de récompense, écoute, on va aller le voir. Ouais, mais c'est des trucs niveau 4, tu vois. Non, parce qu'il y a des trucs qui sont n'ont pas de niveau et qu'il y a des ressources à récupérer. Mais je crois que tu les as pas récupérées. Tout ce que j'ai récupéré ici. T'as un onglet ressources tout à droite. Oh. Ah, des clés de la Dark Zone. Ah oui, c'est vrai. Voilà, t'as plein de trucs. Ah oui, ok. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai acheté le Season Pass ou ce genre de truc, c'est ça? Ouais. C'est vite. Ah, par exemple, toi, le kit d'armes, c'est un truc de craft spécial. D'accord. Tous les consommables. Il n'y a pas assez d'objets, ouais. L'eau. Pas assez d'espace. Pas d'explosifs. Ok. Mais il faudra que j'y pense. Ok. Ciao, Monster. Non, mais descends après consommable. Il n'y a plus rien après consommable. J'ai munitions. Ouais, d'accord, donc t'as tout. Ouais. Il faudrait que tu voyes dans ta sacoche. Il faudrait que ta fille t'achète ta sacoche. Okay. En grand air et toute ta sacoche. Ouais, voilà. Dis-moi. Bah attends, ça s'affiche. Il manque les boîtes de conserve et les grenades incendiaires. Non, mais c'est pas ça que je voulais regarder, moi. Je voulais regarder si t'avais des clés de chiffrement. Ouais, t'en as 4. 4. L'ouverture de cache chiffrée. Ok. C'est pour la Dark Zone, ça, ou c'est pour ici aussi? Non, c'est dans le terminal, en fait. Faut que tu ailles dans le terminal. Il y a une sorte de vendeur spécial. Il ne vend que ça. Ok. Tu peux acheter des trucs qu'avec ça. Et ça permet d'avoir des skins. J'attendrai... Comme ça. Ah, ok, d'accord, ok. Ça, j'attendrai des niveaux 30. Des skins de ça qui sont là-dedans, en fait, par exemple. D'accord, ok. Non, mais tu peux y aller, hein. C'est pas un souci. Ça, c'est à n'importe quel level. Ouais, moi, les skins, pour le moment, je l'aurai, quoi. Parce que les skins, ça se met sur une arme, en particulier. Ou pour toutes les armes, tu vois? Non, c'est pour toutes les armes, pour tous tes persos. C'est pas limité, tu peux y aller avec n'importe quel perso, tu les as pour okay. Tout ce qui est skin, les vêtements, c'est pareil. D'accord. C'est débloqué pour tout le monde. Ok. Alors regardons juste un peu les armes, fusil à pompe, ça moi j'utilise pas. Mitrailleuse légère, j'utilise pas. Pistolet mitrailleur, j'utilise pas. Ok, on n'a pas tant d'armes que ça. Il fait combien ton fusil de sniper là? 14K. Du 1920, mais ça fait 275 balles par minute. Non, parce que j'en ai looté un, puis comme je l'utilise pas. Regarde, voilà. Ici, on a plein de modes. Bon, les modes niveau 4, j'enlève. Ah oui, c'est... Non, celui-là, je vais pas mettre en V. Je vais enlever ça. Alors, dans cette armurerie... Alors, donc, ouais, le gilet d'armure, celui-là, je prends. Donc, tout cela, V. Ce gilet d'attaque... On va lui mettre sûrement des modes. J'ai quelque chose pour toi, crois-moi. Bon, je peux mettre les deux, je pense. Voilà. Dans cette armure-là, c'est un rebut. Alors ici. Celui-là, j'enlève. Celui-là, j'enlève. Et alors, on va marquer tout ça pour démantèlement. Démanteler tous les rebuts. Voilà. Le vendeur de skin là, c'est le vendeur premium, c'est ça? Non, c'est pas premium, je pense. Attends, oui, premium tout au fond sous la. Ah bah oui, attends. Ah, okay. Ouais, bah ouais, lui. Moi je connaissais pas. Et tu achètes des skins avec les clés chiffrées. Elles servent qu'à ça, les clés chiffrées. Ok. C'est une petite pièce et puis t'as 3 skins. Ça peut être des couleurs pour tes armes, des vêtements. Alors t'as deux caisses en fait. Si tu regardes dans ton inventaire, dans les apparences, en haut, t'as la collection, en jaune. D'accord. Puis toi, t'as marque 1 et marque 2.
Donc dans les caisses 1, tu loteras les 6 qui sont dans marque 1. Dans la 2, tu loteras les 6 qui sont dans marque 2. D'accord, ok. Tu vends ce que tu as envie d'avoir, puis quand tu as fait la collection complète, là, tu changes. D'accord, ok. Je vois. Je vais aller voir dans le craft d'armes. Et dans pire, les capacités après. Tu peux aussi looter des nouvelles émotes, par exemple. Okay. C'est pour ça que je peux danser la Macarena, moi. Ce qui est pas très... Je l'ai looté dans un truc comme ça. Ce qui est toujours très 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 utile, évidemment. Les emotes, c'est indispensable, les emotes, voyons. Et évidemment. Surtout en stream. Surtout en stream. Un schéma de fusil d'assaut. Qui ne sera pas meilleur, mais plus de balles par minute. Non, mais les schémas, achète pas de schémas. C'est pas... Non, c'est pas acheter, c'est des schémas que j'ai là, donc je regarde. Non, parce que tu peux acheter des schémas, si. Ouais. Ah oui, mais pas maintenant. Tard, ouais, non, là, autant 30. Vraiment attendre le niveau 30 ouais, pour acheter une chaîne. Pistolet les mitrailleurs, m'intéresse pas ici. Schéma gilet pare-balles. Non, oh, j'ai pas de fusil à verrou, moi. Sac à dos. Non. Il sera meilleur celui-là. Ah, il sera peut-être meilleur. Mais c'est un verre, c'est des gants verts. Qu'est-ce que je peux craindre? Schéma des genouillères, non plus. Viseur amélioré. C'est comme là, si tu connais pas R10. Là, tu as la table de fabrication, à côté tu as le recalibrage, puis encore à côté tu as le poste d'optimisation. D'accord. Alors recalibrage, ça permet de changer une stat d'un équipement. Par exemple, plus de dégâts au fusil à pompe, si tu n'utilises pas, tu peux le remplacer par un autre. Mais une fois que tu l'as fait une fois, tu peux pas en changer d'autre. Ouais. Le recalibrage, ça augmente le niveau de tes trucs. Ça c'est pareil, c'est quand tu es niveau 30, par exemple, tu as un truc de score 270, tu peux le faire monter. 171, 72, etc. pour atteindre le maximum. Okay, ça coûte très très cher. Quoi. Les talents, 2 talents disponibles. Alors qu'est-ce que j'ai de nouveau? Guérison. Utilise un kit de soins après des alliés pour guérir les membres du groupe et les personnes à moins de 20 mètres de 40%. Ah, pourquoi pas, tiens. Réduction du temps de recharge. Atteint niveau de santé fait pour réduire le temps de recharge de la compétence active de 20%. Qu'est-ce que j'ai actuellement comme talent, moi? Attendez, j'ai quoi actuellement? J'ai suivi la réduction du recul à couvert pour réduire le recul de 25%, ok. Et j'ai mis celui-là aussi. Okay. Tu les vois sur le tableau, ouais. Ils sont un petit peu grisés, ceux qui sont qui. Alors dans les bonus, il y a les emplacements en plus, il y a les emplacements en plus. T'as quoi comme bonus là? Bon, les bonus, ça se met tout comme talent plutôt. Comme talent, bah écoute, regarde un peu. Surtout ceux que tu as débloqués. Non. Ouais, voilà. Moi, je... Dégâts headshot, tiens. Tir de suppression, mais ça, je sais jamais. Mais ça, c'est pas mal, ouais. Pff, ouais, ils sont tous bien. Non mais ça surtout c'est par rapport à ce que tu peux faire, ce que tu utilises souvent. Oui voilà, c'est ça. Par exemple dans la colonne technique, ouais. T'as le deuxième, ouais. Amélioration de... avec une explosion, augmente tes dégâts d'explosion de 20%. Si tu utilises beaucoup des grenades, ça peut être intéressant. Mais alors après par exemple ouais. Pour la mine téléguidée, ça dépend. Si tu utilises celle qui est en feu, ouais. Ben, ça va pas fonctionner. C'est clair. Et un autre talent qui marche avec les incendies. Si tu utilises les multiples qui explosent, là ça va marcher. Ouais, je vois l'idée. Okay. Celle d'incendiaire, c'est la c'est celle qui est tout en bas. Bah, ouais, t'es cliqué dessus. Non, je regardais, ouais, effectivement. Okay. Bon, bah écoute, merci à tous d'avoir été là pour le stream. Islamar, merci beaucoup pour toutes tes explications. De rien. Colfège, merci d'être arrivé après ta route. Et Aridis, bah merci pour... pour ta présence, prochain stream sur The Division, ça sera mercredi soir. Et alors, bah sinon, ce soir, 7 Day to Die pour le dernier stream du week-end. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.